Alors, on est dans la magie des fêtes. Qu'est-ce qu'on entend? Les grelots de Noël. C'est un épisode un peu spécial de Folorando. Je pensais que c'était la paternité qu'on entendait. C'est aussi la paternité parce que, bon, oui, je me suis dit que cette semaine, on lâchait un peu l'actualité. On allait se faire plaisir. On est fatigué. On a un gros, gros, gros automne. Et on vous présente cet épisode de Noël, ce cadeau que nous vous offrons. Et il y a l'enfant de Noël également. Bonjour. Ludovic Savard. Oui. Mon garçon. Il va avoir un conte de Noël, Godefroy Laurendeau. Il paraît que vous allez nous faire un conte de Noël. Eh oui. Ouais. C'est une histoire que j'ai écrite, Fred, que j'ai racontée à des enfants dans le CPE il y a littéralement 20 ans. Et quand je l'ai conté, quand je l'ai raconté, je me suis dit, maudit, c'est une bonne histoire. Ça, je la garde pour un jour l'écrire puis la faire éditer. Et comme la vie a escalé, je l'ai jamais réécrit au propre. Là, je me suis dit, coudonc, je vais la lire comme un conte à l'oral. Ben oui. Et advienne que pourri. Ben, je pense que ça va être très, très bon. Alors, Godefroy Laurendeau. Mais là, je suis un peu en attente, Fred, parce que je devais avoir un band. Mais voyons. Oui, parce que j'ai fait appel à mon arbre généalogique, Fred, pour mettre un peu d'ambiance. Ah, vous n'avez pas un nom qui joue. Ben, les voilà, Fred. Ça s'appelle, c'est le Family Trio Band. Voyons. La pognez-vous? Family Trio. C'est un trio. Alors, on a Dédé, André Laurendeau au piano. Ah! Salut Dédé. On fume pas, hein? On n'est pas dans les années 50. Merci. Quel talent. Oui, alors on continue dans l'arbre généalogique. Surprenant, il a troqué la caméra pour la contrebasse. Jean-Claude Ladrec à la contrebasse. Il l'a là. Merci, JC. Ah, mon Dieu. C'est mon cousin-cousine. Oui. Et à la fin, je vous ai gardé la dernière, celle-là est toujours vivante. Lise Bissonnette à la pertinence. On doit s'occuper de la petite enfance d'abord. Là, on parle beaucoup de l'université et tout ça, mais c'est la clé, en fait. Capable, et voilà, on a parfait. La richesse nécessaire. Imaginez-vous comment ça va être complet comme ambiance sonore. C'est incroyable, ça. C'est un trio piano, contrebasse et pertinence. Alors, je suis prêt. Larry. Cet arbre vivait il y a bien longtemps, à l'époque où les plantes, les animaux, même la météo étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Ni les humains ni leurs inventions n'étaient encore apparus sur Terre à l'époque. Pas de facteur vent, pas de voiture. Il devait bien y avoir deux ou trois singes plus brillants que les autres, mais en fait, nous n'en savons rien. Cette histoire a été transmise par des conteurs. Je pense même que les premiers à la répandre l'ont fait dans une langue disparue aujourd'hui, puisque les seuls témoins étaient les animaux d'une splendide forêt. Cet arbre vivait il y a bien longtemps, et depuis très longtemps déjà, il était vieux. Vieux et fatigué. S'il avait été un homme, on aurait pu dire qu'il avait la peau plissée comme l'écorce d'un vieil arbre. Mais comme il était un arbre, on ne savait pas comment le décrire. Il était vieux. Certains l'appelaient le Serge Bouchard de la forêt. D'autres l'appelaient simplement « vieil arbre ». Faites attention. Vieil arbre laineux. Notre arbre était triste depuis longtemps. Contrairement à ses amis les écureuils, merci André, il l'a, hein? Ses amis les écureuils, les abeilles et les autres, lui n'avait jamais réussi à avoir une descendance. Cet arbre n'avait pas d'enfant, mais en avait toujours espéré. Il avait essayé pendant des années, mais il était si grand et massif que les graines qu'il avait réussi à produire et à laisser tomber de ses branches avaient toujours manqué de soleil. On dit parfois qu'un parent, Fred, fait de l'ombre à ses enfants. Ah. Eh bien, dans le cas de vieil arbre, c'était le drame de sa vie au propre comme au figuré. Les graines avaient germé, produit leurs premières feuilles pâles, parfois une deuxième, et à chaque fois, vieil arbre avait assisté impuissant à leur recherche désespérée de soleil. Rendu inaccessible par son feuillage à lui, la lumière était refusée à ses petites vies nouvelles et vieil arbre avait donc au fil des ans abandonné l'idée d'avoir une famille. Il était triste, mais tous les jours, les oiseaux de la forêt, les écureuils et tous ces petits animaux sympathiques lui rendaient visite et contribuaient à égayer sa vie en lui tenant compagnie. Mais il voyait les autres avoir des bébés et en prendre soin, il voyait les jeunes devenir adultes, alors que lui, il restait le seul arbre lui ressemblant. Un peu comme vous, Fred, dans le monde de la balado. Il vieillissait, peut-être même un peu plus rapidement à cause de cette tristesse. Contrairement à vous, Fred. Les autres avaient remarqué, certains avaient remarqué, et les plus brillants avaient compris, qu'un vieil arbre était épuisé
Il s'était épuisé à produire des graines année après année sans arriver à en voir une seule survivre plus de quelques semaines. Un jour de printemps, change de garde, André. Alors que vieil arbre avait l'esprit ailleurs, il remarqua que tout autour de lui, du pissenlit poussait. Des petites fleurs jaunes, il y en avait partout. Même au loin dans la campagne, il pouvait en voir. Il y en avait aussi des blancs, des vieux pissenlits qui perdaient parfois leurs aigrettes légères. Il remarqua alors quelque chose. Au bout de ces petites parachutes, un point noir, une graine. Et le vent soufflait ces petites graines bien plus loin que lui n'avait pu lancer les siennes, et c'est comme ça que les pissenlits avaient pu se répandre aussi loin. Il sentit comme un vent d'espoir l'envahir. Mais c'était finalement du vrai vent qui passait à travers ses branches, soulevant encore plus les petites graines de pissenlit pour les disséminer encore plus loin. Mais une idée germait en lui. Mais les idées prennent du temps à émerger quand on est un arbre et que notre vie s'étale sur des centaines d'années. Yvon Rivard a rêvé ce petit bout-là, je pense. Le vent tomba éventuellement, mais pourtant, il ressentait encore cet espoir nouveau en lui. Il allait essayer une dernière fois d'avoir des enfants. Faut jamais lâcher. L'hiver vint. L'arbre ne parlait plus. Noël arriva et, comme d'habitude, tous les animaux se retrouvèrent autour de vieil arbre pour fêter. C'était une tradition. Mais tous autour, ceux... Autour d'un feu? Non, ben c'est dangereux parce qu'il était rendu vieux, ses branches étaient sèches. Non, il n'y avait pas de feu dans ce temps-là. Tous ceux qui avaient la capacité de réfléchir se disaient que ce serait une bonne idée de faire un feu, mais ils réalisaient aussi que vieil arbre n'allait pas bien du tout. C'était peut-être le dernier Noël de ce vieux. Il ne bougeait plus, ne parlait plus, il gardait en réserve le plus d'énergie possible pour arriver à mettre son plan en branle. Mais le temps n'était pas venu. Il pensait aux pissenlits et à leurs graines légères et capables d'aller se planter au loin. Il avait son idée. Et le printemps revint. Vieil arbre avait perdu plusieurs branches pendant l'hiver et aucun bourgeon ne semblait vouloir émerger. Les animaux savaient qu'un arbre sans bourgeon n'aurait pas de feuilles et que sans feuilles, un arbre meurt. Tristesse donc dans la forêt jusqu'à ce que l'écureuil remarque quelque chose. Toujours les écureuils qui il arrive quelque chose de spécial. Très facétieux. Oui. Vieil arbre était en train de faire pousser autre chose au bout de ses branches. En quelques jours, de mystérieuses structures prirent une teinte rosée, franchement jolie, et par un beau jour ensoleillé, s'ouvrirent. Des fleurs. Vieil arbre avait utilisé ses dernières énergies pour ça. On n'avait jamais vu à l'époque un arbre fleurir comme ça. C'était magnifique. Malgré la grande beauté de cet immense arbre couvert de roses, les animaux étaient inquiets. Vieil arbre faisait peut-être ses adieux à la forêt en se parant ainsi. On pourrait comparer la situation à celle d'un vieux boomer qui vendrait son condo pour s'acheter une Mustang 68 comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était quand même assez inquiétant. Ah mon Dieu, on ferme les yeux là, puis on dirait qu'on est dans un boomer. Ouais. Les fleurs... Au revoir. Les fleurs fanèrent rapidement et vieil arbre paraissait toujours plus faible. Il avait réussi à produire quelques feuilles par la suite, mais il était l'ombre de lui-même et ne faisait plus beaucoup d'ombre. Il ne parlait toujours pas, il mettait encore toute son énergie quelque part. C'est l'écureuil, le premier, qui remarqua. « Hey, il est quick! » Il se faisait des boules. Vieil arbre était en train de se décorer comme pour Noël, mais c'était l'été. Là où les fleurs ornaient l'arbre plutôt au printemps, on pouvait maintenant voir de mystérieuses boules vertes qui rendaient ses vieilles branches encore plus lourdes. Le mot circula dans la forêt. Vieil arbre avait pris ses dernières forces pour se faire des boules de Noël. Un peu comme si notre boomer ridicule s'était mis un surf sur sa Mustang. C'était cute, la Mustang, mais un surf, c'est juste pathétique. Bref, on l'aurait placé si ça avait été notre oncle. Mais c'était pas le genre d'affaires qu'on faisait dans une forêt à l'époque. Alors, vieil arbre inquiétait ses amis au plus haut point, surtout que les boules grossissaient avec les semaines et que ses branches, toujours plus lourdes, ployaient chaque jour davantage. Et lui était de plus en plus faible alors que les mystérieuses sphères prenaient maintenant une teinte rouge, franchement étrange. Par un jour de grand vent, une de ses boules tomba, tout près de l'écureuil. Il ne put s'empêcher de faire ce que font tous les écureuils, c'est-à-dire prendre la boule dans ses petites mains, en étant ultra mignon, tout en ressemblant à un rat avec une grosse queue, donc un paradoxe assez incroyable. Mais cette fois-ci, il eut le réflexe de mordre dans la boule. Oh! C'était sucré! C'était croquant!
Il appela tous les animaux les plus gloutons qui s'approchèrent et découvrirent que cette dernière folie de leur ami était en fait un cadeau. Un cadeau qui se mangeait juste avant l'hiver. Vieil arbre avait réussi à produire de la nourriture. Et ils en mangèrent le plus possible, mais chacun en rapporta une bonne quantité chez lui. Et Vieil arbre eut son premier sourire depuis plus d'un an. Imaginant ces boules en train de se faire manger un peu partout dans la forêt. Oui, ça sonne drôle. Mais la phrase continue. Imaginant ces boules en train de se faire manger un peu partout dans la forêt, mais aussi loin que les animaux les apporteraient. Mais tous découvrirent éventuellement qu'au centre de ces merveilles savoureuses se trouvait un cœur fibreux et franchement moins bon. Et un peu partout, ces étranges restes furent disséminés. Et Vieil arbre, lui, pendant ce temps-là, pensait à son plan. Chacun de ces cœurs contenait un petit trésor. Des petits grains que personne ne mangerait et qui, avec un peu de chance, allaient pouvoir tomber sur le sol et y rester jusqu'au printemps. Smart. Et nous revoici à Noël. Ce Noël-là, les animaux se retrouvèrent encore une fois autour de leur ami fantasque. Plus faible que jamais, personne ne lui demanda pourquoi il avait ainsi décidé de nourrir tout le monde. Vieillard ne disait toujours rien, mettant maintenant toutes les forces qui lui restaient simplement pour rester en vie jusqu'au printemps. C'était un Noël court. Ouais. Et la neige fondit et Vieillard commença à produire des fleurs, mais beaucoup moins parce qu'il lui restait vraiment plus de jus. Il regardait au loin, il espérait et un jour, il les vit. Un peu partout autour de lui, partout où ses boules avaient été transportées, dévorées puis jetées au sol, partout il pouvait voir des petites fleurs roses, exactement comme les siennes, s'étalant dans la campagne sur de tout petits arbres capables de pousser loin de son ombre à lui et capables de grandir finalement. La forêt et la campagne étaient pleines de ses fils et de ses filles et les animaux comprirent enfin que leur ami n'était pas fou. Il avait trouvé une façon de cacher ses graines et eux, ses amis, les avaient répandues sans le savoir. Ils avaient aidé leur ami à réaliser son plus grand rêve. Le bonheur qui emplit alors le cœur de Vieil arbre lui permit cette année-là de reprendre toute sa vigueur et même de produire d'autres fruits. Tout aussi savoureux que les premiers, Vieil arbre trônait au centre d'une forêt dans laquelle poussait maintenant sa descendance. Il était le plus heureux de tous les arbres. Et voilà. Cette année-là, Noël fut bien différent autour de Vieil arbre. Plus personne ne s'inquiétait pour le plus grand de leurs amis. Tous avaient une belle fourrure, bien fournie et en santé. Pourquoi? Mais grâce aux fruits, à cette belle nourriture qu'ils étaient capables de manger à l'automne. Vieil arbre passa son premier Noël en famille. Oui, ses enfants étaient un peu loin, mais certains étaient assez proches pour qu'ils puissent leur envoyer une branche de temps en temps. Imaginez sa joie, il capotait. Au fil des ans, d'autres arbres reprirent l'idée et produirent eux aussi des fruits. Certains plus petits, d'autres plus grands, plus sucrés, plus acides, même des formes ridicules comme les bananes. Mais toujours la même chose au centre de ces fruits-là, des graines. Mais le premier à avoir eu cette idée absolument géniale, c'était bel et bien notre ami Vieil arbre. On l'appelait maintenant le premier. Toujours le premier, puisqu'il avait été le premier à utiliser les animaux pour disséminer ses graines. Et au fil des ans, des dizaines d'années, à force de parler du premier, du fameux premier, les mots se déforment. Et on est passé de premier à pommier. Et c'est depuis ce temps, Fred et Ludo, que ces belles boules croquantes et savoureuses sont appelées des pommes. Et si on peut apprécier, aujourd'hui cette merveille, c'est grâce à cette idée formidable de cacher les graines dans des fruits pour qu'elles puissent être déplacées par des animaux qui les trouvent assez savoureux pour les promener. Oui. Et c'est ça un fruit. C'est juste ça. C'est une idée. Mais c'est énorme en même temps. C'est une idée d'une plante qui s'est dit, je vais faire une structure tellement savoureuse que Elles vont être emportées par des petits animaux et mes graines vont se planter plus loin. Et c'est un peu la théorie du gène égoïste, hein? Oui. Celui qui dit que nous sommes simplement nous-mêmes la bonne idée d'un gène avec tout ce que nous faisons en ce moment, y compris cette balado. Oui. Et dire que tout ça a commencé, Fred, par un vieil arbre qui s'émerveillait devant des pissenlits, soufflé par le vent. Ah, puis tiens, Fred, je vais me gâter devant vous tous. Alors, mango, je vais compter sur Larry pour un bruit de pomme. Ah, oui. Fred, voici une pomme. Ah, ben mon Dieu, elle est jolie. Et je vais la croquer en vous souhaitant joyeux Noël. Oh. Joyeux Noël à tous. Et n'oubliez Merci. Jamais, les fruits sont une bonne idée. Vive les fruits. Ouais. On peut dire merci à Vieil Herbe aussi. Effectivement. Oui.
Alors, lui, il est plus là. Mais on peut l'appeler le pommier maintenant. Mais c'est un beau conte, ça. C'est une création, Godefroy. Oui, et ce que je trouvais drôle, c'est que c'est un petit côté biologie. Mais oui, c'est tellement vous, c'est ça. C'est tout mon héritage. Tout est là. Larry parle les grelots parce que là, on va s'en aller tranquillement. Vers la musique. Ouais, parce que Noël, c'est la musique de Noël. Puis je trouve ça vraiment le fun de partager. J'aime ça quand les gens le font aussi, mais moi, j'aime bien partager des petits joyaux de Noël. Alors, on a un petit top 10. On va entendre certains extraits et il y en a quelques-unes qui sont courtes qu'on va entendre au complet. On va commencer ce top 10 avec en 10e position l'album A Christmas Gift for You from Phil Spector. C'est quand même, ça, c'est pas une rareté quand même. Je pense que les gens ont entendu parler. Phil Spector, qui est un producteur assez particulier des années 60, 70 et même 80, qui a, je crois, été accusé d'homicide, qui a tiré à coups de gun sur son épouse à une certaine époque. Mais avant ça, c'était un producteur qui a un peu développé le Wall of Sound, c'est-à-dire qu'il enregistrait tout le monde dans une salle au même volume. Alors, c'est assez punk rock. Il y a des maudites bonnes tunes. Comme approche. Ouais. Et il a fait un disque de Noël dans les années 60 qui s'appelle A Christmas Gift for You. Et c'était avec, entre autres, The Ronettes. Il y avait plein de groupes comme ça. Je vous offre un extrait de la pièce Sleigh Ride. Vous allez voir, c'est vraiment pour les gens qui aiment le rock garage un peu. Là, c'est un bon exemple de comment on peut mixer la magie de Noël et le garage. Malheureusement, j'ai pas pu écouter, Fred. J'étais trop occupé à... Ah, vous avez trouvé votre pomme! Bon. Incroyable. Alors... Joyeux Noël! En 9e place, c'est la chanson 12 Days of Christmas de Stan Kenton. Stan Kenton, c'est un chef d'orchestre de un des derniers de la grande période des jazz bands, des orchestres de big band, en fait, des années 30-40. Et lui a un petit peu révolutionné le swing, entre autres, et le big band, parce que lui, il était pas là pour faire danser nécessairement les gens, il était là pour impressionner les gens. Enfin, il a fait des orchestrations vraiment spectaculaires. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait en jazz, entre autres. Je pense qu'il y en a un, c'est The New Artistry in Sound. Donc, très spectaculaire, les orchestrations de Stan Kenton. Et il a fait un album de Noël et je vous offre la chanson 12, en tout cas un extrait de la chanson 12 Days of Christmas. Alors, les 12 jours de Noël, chanson plutôt anglophone. Je sais même pas si ça a dû déjà être traduit, mais c'est pas les chansons. C'est des chansons qu'on entend souvent dans les compilations. Ouais, c'est genre de tune quand on l'entend en français, on se dit ouais. J'aimerais ça l'entendre en anglais. Voilà. En anglais, s'il vous plaît. Ouais. Et là, on va y aller dans le québécois à fond la caisse avec le Noël des Santons. C'est la 8e position avec la famille Brassard. Les Santons, ce sont les petits personnages de crèche. Et ça vient de Provence, en fait. On parle souvent des Santons de Provence. D'ailleurs, il y a souvent des expositions au Marché Mont-Secours des Santons de Provence. Il y a des gens qui collectionnent ça. Donc, le Roi Mage, le Petit Jésus, la Vierge, en personnage. Et il y a une chanson, le Noël des Santons. Et la version que je vous offre, elle est enregistrée par la famille Brassard. Ça, c'est assez particulier. La famille Brassard, en fait, l'album s'appelle Noël avec la famille Brassard. Et ce sont 13 enfants de la même famille qui chantent en chorale. Et ils ont fait un album au milieu des années 60. Alors, je vous offre. Ils ont tous entre 11 et 2 ans. Mais c'est particulier, là, 13 enfants. C'est beaucoup. Ce sont Monsieur Legault serait content, ce sont de véritables Canadiens français, des grosses familles. Des catholiques. Le Noël des Santons, la famille Brassard. Les petits Santons quittent la balle de Cardon, naïvement, dévot du vent. Ils vont à Dieu, porter leur vœu. Chanson qu'on n'entend plus.
J'ai jamais entendu ça. C'est pour ça que je vous offre ce top 10. Ça, c'est des rarities. Moi, j'aurais pris un peu d'harmonique. Ah. Ouais, moi, 13 enfants, ça m'impressionne, mais qui toutes la même note, bof. Ben, c'est, pas, c'est une chanson de terroir. C'est... Non. Non. Pas encore, Ludo, mais dans deux chansons, t'en auras une du terroir. La prochaine, c'est... C'était cute, ceci dit. Ben oui. Septième position, Promenade en traîneau. Un classique, évidemment, d'Estelle Caron. Estelle Caron, là, allez chercher cet album-là. Il a été enregistré en 1962. Ça s'appelle Estelle Caron chante Noël. Estelle Caron, qui est une comédienne et chanteuse de la région de Gatineau, qui va devenir une des voix de l'émission Les Joyeux Troubadours à la radio de Radio-Canada. Une émission... on dirait culte peut-être, qui a joué de 1949 à 1977. Et moi, je me rappelle, dans les débuts de la soirée d'Encore Jeune, Michel Desautels venait à l'émission puis il nous disait que la soirée ressemblait au Joyeux Troubadour. Okay. Joyeux Troubadour. C'est-à-dire cette espèce d'ambiance très un peu week-end où on fait toujours les mêmes gags pendant des années. Non, c'est pas vrai. Mais cette espèce d'idée d'un groupe, tu sais, un côté vraiment relax, un peu 5 à 7, en tout cas, c'est cet esprit-là. Et Estelle Caron faisait partie des Joyeux Troubadours et c'est une chanteuse, en fait. Et c'est un formidable album de Noël, très peu connu, je pense, avec une orchestration un peu à l'américaine, beaucoup d'harmonie, vous allez aimer ça. Alors, je vous offre un extrait de Promenade en traîneau. L'attelage a déjà pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour. Car c'est l'heure où la nuit s'embrouille, s'épanouit comme une fleur et s'allume le ciel qui change de couleur. Mais voici notre maison qui nous fait signe. Vraiment un bel album. C'est le Barbershop. Oui, c'est mais bon. Ça, c'est très américain. Moi, j'aime ça. Ouais. Ouais. J'aime vraiment ça. Alors, Ludo, tu l'auras, ta chanson du terroir. Yes. Sixième position, promptement, Levez-vous, mon voisin, du Quatuor Alouette. Quatuor Alouette qui a œuvré de 1930 à 1965, qui a fait des tournées, oui, au Québec, mais partout au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et eux, jamais entendu parler de ça. Le Quatuor Alouette se spécialisait en chansons traditionnelles, chansons traditionnelles québécoises, en folk également. Fait que c'est les pères spirituels de nos charbonniers. Des charbonniers un petit peu. Composé de Roger Filiatreau, Jules Jacob, Émile Lamarre, André Trottier. Et la chanson n'est pas très longue. Je vous l'offre au complet. Promptement, Levez-vous, mon voisin. Allez, mon voisin, à la crèche. Promptement, levez-vous, mon voisin, le sauveur de la terre est enfin parmi vous, mon voisin, envoyé par son père, mon voisin. Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin, courez, mon voisin, allez à la crèche. Allez, mon voisin, allez à la crèche. Avec admiration, mon voisin, entrez dedans l'étable. Adorez ce poupon, mon voisin, cet enfant ineffable, mon voisin. Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin. Courez, mon voisin, allez à la crèche. Allez, mon voisin, allez à la crèche. Après quelques moments, mon voisin, ferez une prière. Offrirez des présents, mon voisin, au petit, à sa mère, mon voisin. Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin. Courez, mon voisin, courez à la crèche. Allez, mon voisin, à la crèche. Choisissez le meilleur, oh, mon voisin, de votre bergerie. Donnez tout de bon cœur, mon voisin, cet enfant pour nous prie, mon voisin. Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin. Courez, mon voisin, courez à la crèche. Allez, mon voisin, allez à la crèche. N'est point trompeur, oh, mon voisin, ce que l'amour amène auprès de lui, son cœur, mon voisin, les soulage des peines, mon voisin. Allez, mon voisin, allez à la crèche, mon voisin, courez, mon voisin, courez à la crèche. Ça donne le goût d'y aller à la crèche. Ça donne le goût de se lever promptement. Ouais. Ouais. C'est un croisement entre l'opéra puis... Oui. Et les charbonniers. Et tout à fait. Et le chant traditionnel a cappella. En cinquième position, on reste un peu dans le folk et le terroir. Voilà que le Petit Noël. Chanson peu connue également d'Hélène Baillargeon-Côté et Alan Mills. Hélène Baillargeon-Côté
Née en 1916, morte en 97. Ah, donc, c'est pas mon optométriste. Non. Elle s'appelle comme ça. Folkloriste, animatrice, comédienne. Elle va travailler, entre autres, avec Marcel Barbeau. Marcel Barbeau qui va faire le tour du Québec avec son enregistreuse à l'époque pour enregistrer, entre autres, beaucoup chez les Premières Nations, pour enregistrer les chants, les rythmes du Québec. Elle va être comédienne, entre autres, dans Cap aux sorciers, qui est une émission extrêmement populaire dans les années 50 à la télé de Radio-Canada. Et avec Arlen Mills, qui est un autre folkloriste québécois, elle va avoir sa propre émission, entre autres, à la Société Radio-Canada pendant 15 ans, l'émission Chez Hélène, qui était une émission qui jouait partout au Canada anglais pour apprendre aux enfants et même aux adultes à parler français. Elle va enregistrer plusieurs albums. Et même, moi, en fait, j'ai trouvé cette chanson-là sur une compilation des Smithsonians, qui est l'université aux États-Unis, qui font aussi... Qui compilaient les audios. Les folklores et les traditions audio des cultures partout dans le monde. Et il y a A Master Folk of French Canadian. Il y a une série sur... Les Smithsonians se sont promenés au Québec, sont allés enregistrer dans des maisons des grands-mères, des vieilles femmes, des vieux hommes qui chantent a cappella, mais qui ne sont pas des chanteurs dans la vie, vraiment pour collectionner le terroir, en fait. L'archivage audiophonique du patrimoine québécois. Alors, c'est vraiment intéressant. Et Hélène Baillargeon et Alan Mills nous offrent donc ce trésor des chansons de Noël d'un Québec qui n'existe plus. Voilà que le petit Noël. Voilà que le petit Noël m'apporte un cadeau du ciel. Un mouton qui fait bébé, bébé, bébé. Un petit chat qui fait miaou, miaou, miaou. Voilà que le petit Noël m'apporte un cadeau du ciel. Un petit chien qui fait ouf, 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 ouf. Un mouton qui fait bébé, bébé, bébé. Un petit chat qui fait miaou, miaou, miaou. Alors, ça avait été repris, ça, par Canel et Bruno. Ah oui? Oui, dans leur album de Noël, cette toune-là a été reprise. Ah mon Dieu, c'est drôle, ça, c'est intéressant. Et évidemment, on reconnaît l'énumération, qui est un pattern très récurrent dans le folklore québécois, entre autres, les chansons énumératives où on commence par un item, deux items, trois items, on les répète tout le temps. Dans Passe-partout également, l'épicerie dans mon petit panier, c'est le même principe. En quatrième place, là, on revient dans les années 80 avec une chanson que j'ai toujours aimée, je ne sais pas pourquoi. J'étais adolescent, je pense, à l'époque, et je me disais un jour... Quelqu'un va m'aimer et nous allons nous laisser et nous allons nous ennuyer. Et cette chanson-là de Noël, c'est Christmas, Baby Please Come Home. C'est une chanson qui parle un peu de ça, mais je pense qu'il s'aime encore à l'époque. Allez, la première version apparaît sur l'album de Phil Spector que je vous ai fait entendre au début, chanté par Darlene Love. Mais là, la version que je vous offre, elle apparaît sur A Very Special Christmas, qui est une série d'albums qui est sortie dans les années 80 et 90, dont les profits allaient aux Olympiques spéciaux. Alors, il demandait à des artistes de chanter des chansons de Noël, Madonna, Tom Petty, tout ça. Et U2 ont fait une version, franchement, pas piquée des verres, de Christmas, Baby Please Come Home. Et je vous en offre un extrait. Et ça, U2, c'est une des dernières chansons enregistrées avant leur période Rattle and Hum, où après ça, c'était fini, c'était rendu plus ben bon. Alors voilà, une chanson que j'aime beaucoup. J'ai encore du plaisir à l'écouter aujourd'hui. La prochaine, d'autres fois, vous allez beaucoup l'aimer. Et j'allais te... Oui, ça a été dégueulasse. J'allais vous tutoyer. Là, je commence à être inquiet parce qu'il y en a une que j'attends. Ben, c'est celle-là. Pas... Ah oui, bon. Ouais, alors, Jingle Bells de Jimmy Smith. Bon, pour moi, c'est ma tune de Noël par excellence. Alors, un des rares organismes de jazz, l'organe. L'orgue n'est pas très utilisé en jazz, ou en tout cas n'est pas utilisé comme un instrument par les solistes. Et Jimmy Smith en est un des rares qui le fait, et donc c'est un virtuose de l'orgue. En fait, c'est carrément lui qui a popularisé le Hammond B3, qu'on a retrouvé après ça, au début dans la musique soul américaine, dans le R&B, et après ça dans le rock et chez Offenbach, entre autres. Fred, est-ce que le B3, c'est celui dont la fréquence oscille? Oui. OK. Ouais. Est-ce que vous connaissez le principe de cette affaire-là? Je l'ai, oui, c'est une espèce de turbine,
en fait. J'ai un ami qui avait ça dans un band. Le haut-parleur tourne à l'intérieur. Donc, les haut-parleurs sont extrêmement lourds. Il y a un moteur en dessous. Et tu peux, en même temps que tu joues, tu peux faire changer la direction. Oui. Fait que donc, quand il ralentit pour changer de direction, là, la vibration est plus lente. Puis quand tu ne touches plus, ben, la vibration est très rapide. Tu n'entends presque plus. Mais donc, il faut jouer en même temps avec... le ralentissement du haut-parleur c'est le B3, ça. Oui, c'est gigantesque. C'est en deux morceaux, en fait. Vous avez le clavier et vous avez le speaker par-dessus. Exact. Et ça prend 8 personnes pour déménager ça. Et on aime ça. Alors, Jimmy Smith a fait un album de Noël qui s'appelle Christmas 64, donc sorti en 1964. Mais il a fait plein d'albums aussi purement de jazz. Mais il a vraiment été le crossover entre le jazz et la musique soul. Je vous offre un extrait de Jingle Bells que j'ai utilisé souvent dans les chroniques pour mes vœux du jour de l'an pour les politiciens. Classique. Ah, c'est bon. C'est vraiment. Mais le début est extraordinaire. Oui. J'aurais dû mettre le début. Ben, allez l'écouter. Mais allez l'écouter, oui. Trouvez-le, écoutez-le, puis pensez à nous. Ouais. En deuxième place, une autre rareté québécoise, c'est la chanson les fêtes du groupe Les Loups. Et attention, ça, c'est une composition. On sait que Maryse Letarte, entre autres, Daniel Bélanger ont fait récemment des nouvelles chansons de Noël. Chic Gamine également ont fait des nouvelles chansons de Noël. C'est dur quand même d'inscrire une chanson de Noël et que les gens se l'approprient et deviennent classiques. Je suis pas sûr que Les Loups l'ont réussi, mais c'est un groupe un peu un ovni qui est passé très vite dans les années 60 dans le panorama musical québécois. C'est un groupe de Montréal qui a en fait enregistré que 4 singles dans la période yéyé, donc entre 65 et 67, mais contrairement aux autres groupes... C'était pas des covers? Non, ne faisaient pas de covers, ne faisaient que des compositions dont cette chanson. C'est beaucoup plus rock garage que yéyé d'ailleurs. On va l'écouter même au complet parce qu'elle est courte, elle est très très bonne. Les Loups avec les fêtes. Pourquoi je pense aux trois accords? Je trouve qu'il se donne à chanter aigu en étant non crédible à la même façon que les trois accords le font. Ah, je trouve pas. Vous trouvez que les trois accords sont pas crédibles? Ah non, je les adore. Je les adore, mais ils se prennent pas au sérieux. Ah ben non. Il y a quelque chose dans leur refrain. Oui. Tu sais, quand tu mets à chanter high pitch comme ça. Ah, après, cette grande tradition du rock garage un peu très mélodique. Mais ça, c'est bon, cette tune-là. Je la connaissais pas. Mais oui. Est-ce que vous avez déjà entendu, Fred, le spécial de Noël de Serge Laprade? Non. C'est l'affaire parce que je peux pas parler de ça après votre numéro 1. Il faut que je le fasse maintenant. Oui, oui. Mais il a fait un album de Noël complet qui avait été assez bien reçu. Okay. Et c'est tellement sirupeux. Ah, c'est lent.
c'est une espèce de jazz, tu sais, mais c'est cheap. Cheap. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. C'est assez sur le point. Merci, Larry. Allez l'écouter parce que c'est. Alors, il y aura, ça sera un top 11, Godefroy. Oui, c'est un spécial Serge Laprade qui nous a quittés. Mais vous avez raison, c'est une très belle suggestion, mais elle ne battra pas la première. Oh non. Qui est une chanson vraiment particulière. C'est un groupe français qui a sorti cette chanson. C'est leur premier single. C'est un groupe issu de la chorale des petits chanteurs d'Anières, créé en 1946. C'est comme un peu les petits chanteurs du Mont-Royal, dans le fond, dans un petit village de France. Et c'est un groupe de... Il y a 50 enfants qui vont passer une audition. Et ils vont créer un groupe d'enfants. Il y a une quinzaine d'enfants, que des garçons. Ah, c'est le premier boys band? Oui, on peut dire ça. Et la constitution du groupe va évoluer en fonction de la mue des garçons. Et ça, c'est spécifique. Okay. Et oui, Ludovic, tu peux rire parce que bientôt, tu ne pourras plus faire partie de cette chorale. Mais non, effectivement. Ouais, mais et ils vont vendre 600 000 albums de leur premier single, okay, qui s'appelle Noël 70. Et c'est à l'époque, évidemment, guerre du Vietnam. Alors, c'est une chanson pour la... un peu comme l'esprit de John Lennon sur la paix mélangée avec Noël. Le groupe s'appelle Les Poppies. Et il y a des vidéos sur YouTube, allez voir ça. Alors, je vous offre cette chanson pour terminer ce top 10. Cette chanson n'a pas d'allure. Écoutez ça. Pour tous les enfants de par le monde entier, dont les pays sont en guerre plus souvent qu'en paix, je déclare la trêve pour quelques instants, en qualité de président des moins de 20 ans, même si mon État n'a qu'un ambassadeur qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur. Et même si mon sceptre n'est qu'un petit hochet, respectez-le car maintenant c'est... Noël, Noël. Ah ben non, ben non. Tout le sud, l'est ou bien le nord, pour tous les Annulé vivants Noël. Qui distribuent la mort, je demande une trêve pour que se passe en paix cette conférence au sommet. Au sommet. C'est une super production. Oui. Ils ont quelques succès comme ça. Mais c'est les parents de Kids United. Les Poppies, oui, mais c'est le même. Il faudrait qu'ils reprennent cette tune-là. Up With People aussi, qui était un groupe très, très multiculturel dans les années 60, qui faisait des grands spectacles à grand déploiement avec des lancers de ballons, des pigeons. C'était des chansons pour la paix avec des chorégraphies. Alors, c'était une époque où on pensait que l'avenir allait être meilleur, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est terminé. Dans 11 ans, ce sera l'extinction de toute trace de vie sur la Terre. Joyeux Noël. Joyeux Noël, tout le monde. Merci d'être là. Et puis, faites attention à vous. Oui. Oui. Bisous.
Thank you.